Elle s'appelle Juliette Delerue. Mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que vous passez un aussi bon moment que moi. Je suis Juliette Delerue, j'ai 19 ans et je suis actuellement en première année d'études d'infirmière. Je souhaite devenir l'ambassadrice de cette ville qui est chère dans mon cœur et dans le cœur de ma famille, qui s'investit depuis beaucoup pour la réussite de cette ville. Donc j'espère pouvoir représenter, comme ils l'ont fait, cette ville qui m'est très chère. Voilà. Juliette Delerue, Lirois. Je m'appelle Ophélie Lestienne et j'ai 21 ans. Je tiens à vous informer que je ne connais pas personnellement M. Bruno Lestienne. Comme le dit le proverbe, il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. Pour vous parler un peu de moi, je suis étudiante en soins infirmiers. J'aimerais poursuivre mes études afin d'obtenir un master pour devenir cadre de santé. Je pratique depuis peu du fitness en salle. Je vais régulièrement au cinéma. Cela me permet de passer de bons moments entre amis. Je réalise quelques shootings photos, malgré que je ne suis pas modèle pro. Le monde de la beauté et de la mode sont deux éléments essentiels dans la vie d'une jeune femme. Je participe au concours de Miss Roubaix, tout d'abord parce que c'est un rêve de petite fille, mais aussi pour réaliser un challenge personnel. Parce que je suis quelqu'un de très réservé, de très timide. Cela m'aide un petit peu. Sinon, je participe à Miss Roubaix parce que Roubaix, c'est une ville très riche en termes de mode et très dynamique. Bravo. Je vous souhaite une bonne chance à toutes les candidates avec qui une bonne entente a eu lieu, mes petites copines de police, mes concurrentes de scène, et je vous souhaite à tous un agréable moment en notre compagnie. Yassine, Yasmine Karafi, candidat numéro 3. Je m'appelle Yasmine Karafi, j'ai 21 ans, je suis commerciale, docteur de gaz et je vous remercie tous d'être là, ça fait un peu chaleureux. Je vois aussi plein de gens. Excusez-moi, je suis un petit peu stressée, mais je pense que tout le monde est stressé. Donc déjà, je tiens à remercier le comité pour cette excellente journée qu'on a passée. Je tiens à remercier aussi Dominique. Et bonne soirée à tous. Excusez-moi pour le bug, c'est juste que j'angoisse un petit peu. J'ai 21 ans et je vis depuis peu à Ouattes-Colo. Je suis née à Roubaix, j'y ai grandi et vécu pendant 19 ans. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est avec honneur et fierté que je participe à cette élection. Une ville riche et variée, où la jeunesse est mise en avant, où je suis...
Pierre et Ogier tous mes repères. Au niveau professionnel, j'ai un peu tout essayé. Après 2 ans d'études, j'ai obtenu mon CAP coiffure. Je me suis ensuite vite aperçue que ce qui me passionnait vraiment était le contact avec la clientèle. J'ai donc travaillé en restauration, dans la vente et dans la manutention. Mais je ne me fais aucun souci pour le travail. Très ambitieuse, sociale et positive, j'ai pour habitude de ne pas rêver ma vie mais de vivre mes rêves. Je ne participe pas à cette élection par ego, mais de nature très curieuse, j'aime apprendre et découvrir de nouvelles choses. Alors même si je ne gagne pas cette magnifique écharpe, je vous remercie de m'avoir fait vivre une aventure exceptionnelle. Je remercie toutes les candidates, aussi sublimes les unes que les autres. Bien sûr, le comité, le jury, Bruno et Dominique. Merci à tous de votre attention et bonne soirée à tous. Bonne journée à tous. Louise
Louise Régnier. Je pratique également du cyclisme et de la natation. Si je participe à cette élection, c'est surtout pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire être sur scène. Merci de votre écoute et bonne chance à tous les candidats. Héloïse Régnier. Je me présente à Miss Roubaix parce que c'est un rêve de petite fille et que ma famille m'a beaucoup encouragée à faire cette élection. Donc j'aimerais les rendre fiers et vous rendre fiers également. Voilà, merci beaucoup. J'ai 22 ans. Après avoir validé mon diplôme d'aide-soignante, j'ai décidé de m'orienter vers un DUT en technique de commercialisation à l'IUT de Valenciennes, que j'ai validé en juin dernier. Je suis actuellement aide-soignante à domicile au SIAD de Waterloo, un métier qui me passionne énormément car je travaille avec des personnes remarquables. Grâce à ce métier, j'ai énormément gagné en maturité cette année. Pour moi, devenir Miss Roubaix Métropole officielle serait un immense honneur car je pourrais représenter dignement la ville où je suis née. Être l'ambassadrice de Roubaix serait l'opportunité de participer à l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, un reste de petite fille qui pourrait se réaliser aujourd'hui grâce à vous. Après avoir été élue deuxième dauphine de Miss Roubaix Métropole 2013, j'ai décidé de retenter cette aventure humaine car j'ai rencontré des personnes exceptionnelles et un comité sur lesquels j'ai pu compter énormément. Mais également, j'ai gagné l'amitié d'une Miss dévouée, Kaoula, et d'une dauphine remarquable, Cheryl. Pour moi, pour finir, je pense que ce concours est avant tout une aventure humaine, très valorisante et glorifiante. Pardon. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Et je vous remercie de m'avoir écouté.
Je suis en première année de communication à Gaston Berger, suite à avoir obtenu mon bac scientifique l'an passé. Actuellement, je suis en stage chez WEO, donc notre fameuse chaîne télévisée régionale du Nord-Pas-de-Calais. Je souhaite poursuivre mes études après mon BTS afin de me spécialiser dans la publicité. Pendant mon temps libre, je suis modèle dans une agence lilloise. Je vous remercie tous d'être présents ce soir et j'espère vraiment représenter la future Miss Roubaix. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez une agréable après-midi en notre compagnie. Je m'appelle Stécie Elal, j'ai 19 ans. Je viens de terminer mes examens afin d'obtenir mon diplôme d'auxiliaire de vie. J'exerce également un contrat étudiant dans le domaine de la restauration. Entre-temps, j'ai effectué des formations auprès d'enfants, de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et personnes handicapées. J'ai reçu tellement d'amour, de partage et de respect que si je suis élue, je serai heureuse de vous transmettre toutes ces richesses que j'ai acquises et représenterai la ville de Roubaix avec fierté. Bonne chance à toutes les candidates. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Claire, j'ai 23 ans, je suis en Master 1 de droit, parcours administration, économie sociale et je désire devenir commissaire de police. Dans la vie de tous les jours, je manque beaucoup de confiance en moi, c'est pour ça que j'effectue ce concours pour obtenir de l'assurance. De plus, j'adore les nouvelles expériences et c'est une formidable opportunité pour moi. Bonne soirée à tous. Claire Cuisinier. Emmeline Luzinski porte le numéro 14. Membre du jury, bonjour. Je m'appelle Emmeline Luzinski, j'ai 19 ans et je suis originaire de la ville de Marcq-en-Barœul. Actuellement, j'étudie la communication en alternance car je suis également assistante de communication. Dans la vie, j'aime aller au bout des choses et me fixer des buts. Je suis passionnée par la mode, le cinéma ou encore les voyages et j'aime également pratiquer la danse, l'équitation, le tir à l'arc ou encore le badminton. Si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est avec l'espoir de mériter votre confiance afin de pouvoir représenter la Roubaix Métropole lors des événements à venir,
car ce serait pour moi une fierté de porter le titre de Miss Roubaix Métropole et de pouvoir représenter notre région avec fierté, mais surtout pouvoir représenter des rencontres et des souvenirs à venir. Merci à tous pour votre écoute et je vous souhaite à présent une excellente fin de journée en notre compagnie.